Domnule ambasador în România în acest moment există o dezbatere privitoare la votul electronic după ce s-a întâmplat la alegerile de la noi. știu că este vorba de un domeniu în care dumneavoastră aveți experiență. Cum vi se pare acest sistem de vot? Ce avantaje, ce dezavantaje are? El? Merci beaucoup. Effectivement, on parle beaucoup de vote électronique. Et on parle beaucoup de vote électronique quand on, on ressent qu'il y a eu une difficulté sur le vote pour faciliter le, le vote des électeurs. Euh, en france, nous avons utilisé euh, le vote électronique pour les élections législatives de 2012 et des élections législatives partielles de 2013. c'est un système séduisant pour les électeurs. Euh, Lorsque nous proposons le vote électronique, en général, les deux tiers des électeurs préfèrent voter par le vote électronique plutôt que de venir se déplacer et de voter à l'urne. Mais c'est un système complexe, c'est un système lourd à mettre en place, c'est un système qui nécessite comme condition préalable d'avoir une liste électorale. Bref, euh, au-delà de la simplicité, c'est un système qui nécessite beaucoup de préparation et de professionnalisme. Donc euh, je crois qu'il faut d'abord réfléchir globalement à ce qui est possible de faire pour euh, que les difficultés qui ont été rencontrées pour euh, le vote des Roumains euh, à l'étranger ne se reproduisent pas. Mais euh, le vote électronique... Euh, c'est une modalité parmi d'autres et il faut bien en voir toutes les contraintes également d'organisation parce que ça n'est pas minime. Ce système de vote peut que le système normal de vote Normalement, lorsque le vote électronique est très bien fait, très bien organisé, avec toutes les modalités de contrôle. C'est un vote qui ne permet pas la fraude. Mais cela suppose toute une organisation qui est très compliquée. Donc ça fait partie aussi des choses qu'il faut examiner. C'est un chantier très lourd dans cette fonction, vous avez gestionné les élections législatives de la France en 2012. Que pouvez-vous nous dire sur l'expérience française dans l'organisation des élections de la Cela demande beaucoup de professionnalisme et d'organisation. Uh, nous préparons les listes électorales une à deux années avant les opérations de vote. Uh, ensuite, il y a tout le déroulement des opérations de vote. Nous avons eu plus de 750 bureaux de vote. Bref, c'est toute une mobilisation et toute une organisation avec des moyens en hommes et des moyens financiers. Je crois que dans tout déroulement d'élections, il y a d'une part le cadre législatif, mais il y a aussi euh, la façon dont on le met en œuvre. Et c'est euh, tout ça euh, qu'il faut bien avoir euh, à l'esprit, en tout cas en France. Uh, C'est uh, un exercice extrêmement uh, lourd, compliqué, uh, que nous mettons en, en, en œuvre avec uh, tous les moyens nécessaires. L'expérience française d'organiser le régime d'une diaspora uh, est un sujet de uh, notre séminaire, que nous avons organisé à uh, Vineri. Uh, détails seminar. de détails ce séminaire. avez-vous séminaire? L'idée d'organiser ce séminaire euh, avec le CEREFREA euh, est une idée qui nous est venue euh, évidemment après euh, les élections euh, présidentielles en Roumanie. Et euh, c'est l'idée de faire partager notre expérience, comment nous nous sommes euh, organisés. Quels sont euh, les avantages et aussi euh, les difficultés du, de l'organisation euh, française, euh, puisque nous faisons voter euh, dans, les, dans les consulats. C'est donc un partage d'expérience. Je ne dis pas que le système français soit un système ni simple ni parfait, euh, mais c'est un partage d'expérience que nous voulons euh, entre experts, entre... Euh, euh, toutes les personnes qui sont concernées par euh, cette question euh, en Roumanie et euh, les experts qui viendront de, de, de France sur le sujet. Ce séminaire, nous l'organisons avec euh, le CEREFREA et je voudrais euh, à cet égard souligner euh, et remercier euh, pour son rôle, souligner l'importance euh, du professeur M. Panzarou. Qui nous aide dans l'organisation de, de ce séminaire qui sera, je crois, très utile pour débattre de cette question du vote à l'étranger? Je vous remercie de la législation de l'Union européenne. Il y a des différences entre le système romanesque et euh, le système français, le module qui a été définitif de la législation de l'Union européenne. Je crois qu'il euh, y a une différence d'abord euh, première, qui est qu'en France, pour voter, il faut être inscrit sur une liste électorale, et que donc ce système de liste électorale existe à l'étranger. Euh, chaque consul euh, tient euh, à jour la liste électorale consulaire. C'est un travail de fourmi, c'est un travail continu sur toute l'année. C'est le 31 décembre de chaque année que l'on arrête la liste électorale qui servira pour l'année prochaine. Ça, c'est la première différence. La seconde différence, c'est peut-être également une différence d'organisation et de moyens euh, utilisés. Euh, de ce point de vue-là, nous avons euh, une organisation euh, peut-être euh, plus, je dirais, euh, plus large, plus longue, plus lourde, et beaucoup plus en amont des opérations euh, électorales. Donc, à la fois la question de la liste électorale et ensuite celle des moyens qui sont mis en œuvre. A spus că există o listă electorală în Franța pentru francezii din străinătate, <coughs> uh, dar ce facem cu situații în care există turiști, aceștia sunt înscriși și ei, sau pur și simplu uh, există și liste suplimentare în străinătate? turiști, en... oameni care se află în trecere? În Franța nu există pas de listă uh, electorale electorală uh, suplimentară. Il peut se trouver des cas où, à titre exceptionnel, Euh, une personne aurait dû être inscrite sur la liste électorale et elle n'est pas inscrite du fait d'une erreur de l'administration. À ce moment-là, le juge, euh, de façon immédiate, prononce une décision d'inscription sur la liste électorale. Mais nous ne connaissons pas, comme en Roumanie, euh, le système où, je dirais, par exemple, un touriste euh, qui serait... Euh, inscrit sur une liste électorale à Paris, mais il serait euh, en voyage euh, à New York, euh, déciderait de venir voter à New York. Ce n'est pas possible dans notre système. Nous arrêtons la liste le 31 décembre d'une année, dans chaque consulat, la liste qui sera utilisée pour l'année suivante la rate de en France Nous avons comme taux de participation pour les élections présidentielles 40% et pour les élections législatives 20%. Alors il se trouve aussi peut-être que euh, sur nos listes électorales figurent.

J'ai vu, comme tous les Roumains, euh, les difficultés qu'ont connues les opérations électorales euh, cette année euh, en 2014. Je crois que ce qui est important, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'il est possible de faire pour pour l'avenir, pour faciliter et éviter que ces difficultés ne se reproduisent. C'est ça qui c'est ça qui m'intéresse. Et je pense que euh, il y a des choses qui peuvent être faites dans deux domaines. Probablement, peut-être, euh, réfléchir sur la législation elle-même, le cadre législatif, la question des listes électorales à l'étranger, et probablement aussi euh, une question d'organisation et, et de moyens. Comme je l'ai dit, euh, nous avions pour une liste électorale qui était euh, à l'étranger pour les élections législatives, d'un million deux, euh, nous avons eu euh, donc un taux de, de, de participation euh, qui était pour les présidentielles de 40 et de 20 et euh, nous avons eu euh, 750 bureaux de vote. Comme ça vous de la Paris, euh, comme ça vous êtes allé euh, présidentielles la présidentielle Roumanie. Euh, comment s'est vu la campagne électorale qui a, euh, a précédé euh, les élections présidentielles et comment est-ce perçu en France le nouveau président Klaus Johannes? Les Français ont, ont suivi euh, la campagne électorale. Euh, euh, les Français ont, ont été un peu frappés par les difficultés euh, qu'il y a eu au moment des opérations de, de vote. Mais les Français ont d'abord euh, euh, vu ces élections comme un grand moment démocratique dans un, dans un pays démocratique. Et euh, évidemment, il y a un nouveau président. Et ce nouveau président, euh, en France comme partout, je crois, dans le monde, suscite euh, évidemment un grand intérêt. Et euh, c'est une personnalité que les Français ont aussi... Euh, Uh, très envie de, de découvrir. Referitor la MCV, mecanismul de cooperare și verificare, uh, sunt discuții în medii politice românești, în cam toate mediile jurnalistice, uh, legat de faptul că acest uh, mecanism ar trebui ridicat. Uh, cum vede Franța o astfel de, un astfel de punct de vedere? Mecanismul de cooperare și verificare, Le mécanisme de coopération et de vérification a été créé au moment de l'adhésion à l'Union européenne. C'est un document qui en général sur le fond, ce qu'il contient n'est pas contesté. Et sur les discussions euh, et le débat sur ce, sur ce sujet en Roumanie, je crois qu'il ne faut pas, mon impression, euh, exagérer la controverse. C'est-à-dire euh, que <coughs> jusqu'à présent, euh, je crois que ce mécanisme de coopération et de vérification a été utile. Euh, donc euh, c'est plutôt de cette façon-là que, que je le perçois. Et ce qui sera très intéressant, c'est de voir euh, le prochain euh, rapport du mécanisme de coopération et de vérification, euh, qui a été jusqu'à présent un rapport qui a appuyé des réformes en Roumanie et qui les a facilitées. Quel sera le contenu de ce rapport euh, Attentat de la Paris, l'attentat terroriste euh, a de... Din nou discuții despre uh, utilitatea tratatului de la Schengen. Uh, există declarații, avem declarația premierului spaniol, dacă nu mă înșel, care vorbea de reintroducerea controlului la granițele interne ale Schengen. Uh, apoi avem declarațiile uh, lui Le Pen, care uh, vorbește nici mai mult, nici mai puțin de uh, dizolvarea sistemului Schengen. Uh, cum vede Franța, la nivel oficial, acest subiect? Écoutez, hier, il y a déjà eu une réunion du Conseil Affaires étrangères sur les mesures à la suite des événements en France. Et la première chose que je voudrais dire, c'est combien nous avons été en France sensibles à toutes les marques à la fois de condoléances, de sympathie, mais aussi de soutien que nous avons reçu de l'étranger dans le monde entier. Et à cet égard, je voudrais encore saluer et noter tous les remerciements que nous avons reçus de, de Roumanie, remerciements pour ce que nous avons fait, mais aussi mesures de soutien et également soutien aux valeurs que nous avons en, en partage, en commun. Donc la première chose que je voudrais dire c'est combien nous avons été sensibles à ce, à ce soutien. Pour la suite, évidemment, il y a euh, toute une réflexion qui est engagée, et euh, cette réflexion euh, ne fait que, que commencer, je ne peux pas en dire euh, plus, mais il, il, il est évident que, euh, comme l'a dit euh, le Président, euh, euh, rien ne sera plus comme avant, comme l'a dit le Président euh, Hollande, et c'est euh, autour de... Euh, ce sujet que aujourd'hui les, les les discussions euh, portent et, et pour l'instant euh, euh, <coughs> ces ces chantiers ne sont que que couverts nous hein, dans sommes qu'au qu début on va inflați în România de apropo un an cum vi se pare oameni cum vi se țara euh, je suis arrivé euh, en Roumanie euh, il y a quelques mois, effectivement, au mois de mai, et, et depuis, euh, je circule beaucoup dans la capitale, mais aussi en province, parce que la Roumanie, c'est un grand pays, avec euh, des régions merveilleuses, des paysages formidables, euh, des habitants extrêmement généreux. Euh, comme tous mes collègues, mais plus encore peut-être parce que je suis français et que nous avons beaucoup d'affinité euh, par l'histoire, euh, je ressens beaucoup d'intérêt pour la Roumanie qui, qui est un pays euh, dans lequel je me sens bien, euh, et qui est un pays euh, euh, européen, un pays qui se développe, euh, un pays... Euh, euh, qui, est, euh, qui gagne à être euh, connu. Euh, j'ai vraiment des impressions très très positives euh, dans ce pays où j'ai la chance de servir. Ce qui me plaît, c'est la Roumanie, ce sont les Roumains, euh, ce qui me plaît, ce sont les paysages, c'est tout le pays. Ce qui ne me plaît pas, c'est ce qui ne plaît à personne et que l'on peut rencontrer aussi bien en France qu'en Roumanie ou qui peut agacer. Mais vraiment, la Roumanie, et je peux le dire aussi à chaque fois que je rencontre des Français qui vivent en Roumanie ou qui voyagent, est un pays qui, qui plaît beaucoup aux Français lorsqu'ils le visitent. Euh, comment comment elle -elle se caractérisent les relations entre le Roumanie et la France, les relations bilatérales Ce sont des relations excellentes euh, et ce sont des relations qui sont orientées vers le futur. Euh, par la culture, euh, par la langue, nous avons beaucoup de proximité. Euh, les Français sont aussi le troisième investisseur en, en Roumanie. Euh, nous sommes aussi euh, le troisième fournisseur. Euh, ce sont des relations euh, multiples euh, dans tous les domaines, euh, pas simplement économiques, mais aussi euh, culturelles, euh, de coopération, euh, dans de multiples domaines. Euh, pour nous, euh, il y a vraiment un partenariat privilégié avec la Roumanie. Euh... Comment vous séparez la situation économique en Roumanie et en quelle mesure vous voyez ce capeau attractif pour les La Roumanie est un pays qui se développe. Après avoir connu une forte croissance, il y a eu une crise dans les années 2009-2010, comme dans beaucoup de, de, de pays, et qui aujourd'hui reprend une tendance de croissance qui est positive. Je pense que c'est un pays aussi qui a de grandes forces pour améliorer sa compétitivité qui est, qui est réelle. Les sujets, on les connaît, ce sont les sujets dont vous débattez, comment bien absorber les fonds structurels européens, comment favoriser la cohésion sociale comment aussi avoir une approche positive, pas simplement dans le domaine des infrastructures, mais aussi dans le domaine du capital humain, réduire euh, là où elles existent les zones de pauvreté. Euh, je pense que ce sont euh, toutes ces orientations qui sont importantes pour consolider la compétitivité euh, roumaine. Et euh, la France est tout à fait euh, euh, désireuse euh, d'apporter... Euh,

elle souligne le besoin de formation professionnelle, par exemple. Euh, lorsque euh, j'interroge euh, également euh, ces entreprises, euh, elle souligne la qualité des, des employés, euh, mais aussi euh, la nécessité d'avoir euh, un aménagement du territoire euh, qui favorise des implantations dans d'autres zones. Que les, que les zones euh, qui connaissent aujourd'hui euh, euh, une forte croissance et l'absence de chômage. Euh, L'aménagement du territoire, l'agriculture, euh, la formation professionnelle, euh, voilà, ce sont des, des, des secteurs euh, où la, la Roumanie peut certainement euh, progresser et connaître euh, euh, des facteurs de compétitivité euh, meilleurs.